Le gloss qui ne veut pas rentrer chez lui. Range-toi, non. Range-toi, non. Ok, on s'amuse vraiment avec n'importe quoi. Oui, j'ai 28 ans, l'âge de la maturité, ça se voit. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo test. Et j'ai un peu peur aujourd'hui, je dois l'avouer, pour cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre la suite de mes vidéos. N'hésite pas à mettre des pouces vers le soleil si tu aimes celle-ci. Et on va commencer de suite. Ma crainte est la suivante. C'est parce que c'est la même marque que le fameux masque à la papaye. Je te mettrai le lien là si tu ne l'as pas vu. Mais mon dieu, le masque à la papaye, non. La papaye n'est pas mon amie. Non, non, non. Enfin bon. Donc, il s'agit d'un gloss qu'on applique sur ses lèvres. Logique, tu me diras. Et qui, en une minute, doit te faire avoir des lèvres sensuelles. Tu dois avoir les lèvres un peu plus bombées, un peu plus pulpées, comme ça. Un peu à la Angelina Jolie, quoi. En tout cas, c'est ce qui est montré, là. C'est une belle bouche pulpeuse. Alors écoutez, on va tester. Alors j'ai un petit peu peur parce que j'ai vu des... J'ai lu avant, je suis allée sur des forums, j'aurais pas dû le faire. Et j'ai lu des commentaires et des avis justement de personnes qui avaient essayé ce produit. Et comment vous dire que des fois... qu'elles ont eu très mal quoi, en mode il faut l'enlever de suite. D'ailleurs je vais prendre des mouchoirs pour me démaquiller de suite si besoin. Donc ils disent que le résultat se voit dans la minute et qu'on peut également l'utiliser pendant 4 semaines pour voir des résultats à long terme. Donc je vous propose de faire quelque chose, je vais l'essayer aujourd'hui avec vous, et encore désolée si la lumière change. Et suivant la réaction que j'ai, je le ferai pendant plus longtemps et je vous montrerai les résultats. Ça dépend, si aujourd'hui je le supporte pas, non. Hein, voilà. J'aime bien tester des choses, mais je ne suis pas non plus... Hein. Ça se présente comme ceci. Donc c'est un petit gloss Laction lèvres sensuelles. Il y a marqué beige. Je pense qu'il doit pas être coloré. Enfin, il doit rien laisser comme couleur sur les lèvres. Voilà ce qu'ils disent du produit. Donc ça donne du volume plus réhydrate vos lèvres. C'est composé. On va vous laisser, on va passer ça. En gros, en quelques semaines, ça apporte du volume, texture et brillance. Transparent, il ajoute une touche d'éclat à vos lèvres. Eh, j'avais dit que c'était transparent. Et c'est de l'allemand? Non, c'est bon, je suis repartie sur le français. En gros, on applique seul sur les lèvres pour un rendu naturel. Ou sur votre rouge à lèvres, ok. J'aurais pu laisser mon rouge à lèvres, du coup je l'ai enlevé, mais bon, c'est pas grave. Puis on y va, quoi. Allez. Je vous propose de vous faire un petit zoom photo de mes lèvres. Toutes pas pulpeuses, de mes petites lèvres. Et puis après on verra. On est parti. J'ai mon miroir et je l'ai lavé pour une fois. Eh, je fais des progrès. Je l'ai lavé il y a 30 secondes, mais je l'ai lavé. Oh non, j'aime pas l'odeur. Oh, mais vous allez vous dire, elle est relou à tout sentir déjà. Désolée, mais ça sent... ça sent la vanille. Oui, alors je suis pas fan de vanille. J'ai trop peur que ça me brûle en fait. On va voir ce que ça donne, je vais attendre une minute pour voir si j'ai des effets. Et je vous dis au fur et à mesure, pour le moment honnêtement, je sens rien, ça fait un gloss un peu pâteux, c'est tout. Ça fait bien 5 minutes que j'ai ça sur les lèvres. Ça a pas vraiment séché. Je sens ni la chaleur, ni des picotements, ni rien du tout.
trouve pas du tout que ça les ait repulpés. Déception. La déception se lit. Je vais vous faire une photo. J'ai pas d'intérêt, mais peut-être que la photo, je vais me dire ouais, mais si, en fait. Lèvres sensuelles, hein. Lèvres qui sentent la vanille, oui, surtout. Rien de plus. Je vais mettre une note à ce produit pour son effet immédiat. Et je vais lui mettre pour son effet immédiat 1. 1 sur 10. Et encore, je suis sympa. Je lui mets 1 parce que... Je sais même pas pourquoi je lui mets 1 en fait. Parce que il fait un peu gloss. 1. Ça n'a rien fait. Du tout. Bon. Écoutez, je vais le mettre tous les jours pendant 4 semaines. Et puis on va voir ce que ça donne. Si au bout de 2 semaines je vois qu'il n'y a aucun effet, j'arrête, hein. On va pas non plus. C'est pas, hein. Il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Et bien, sur cet échec, je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Salut. C'est parti, c'est le test. C'est encore un crash test, les gars. J'arrête pas de dire les gars, c'est très féminin comme expression. C'est pas grave. Mon dieu, mais les mouchoirs étaient très loin, ils étaient là. J'aime toujours faire mes zooms, je trouve que ça me met toujours en valeur. C'est ironique. Ah oui, parenthèse, si vous me voyez dans plusieurs vidéos avec cette tête, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai genre 5 vidéos à tourner. Donc je m'avance. Un peu printanier, j'avais envie d'un look un peu printanier aujourd'hui. Alors qu'il fait pas très beau, mais c'est pas grave. Oh, la vidéo déchet, quoi. Mais la déception, mais la déception. Puis j'avais tellement peur. J'ai redouté, ça fait 3 semaines que j'ai ce produit. 3 semaines, hein. Et que j'ose pas le faire parce que je me dis, oh mon dieu, mon dieu. Et en fait, oui, 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 la vidéo qui ne sert à rien. Je teste le produit. En fait, j'aurais pu mettre du labello, ça aurait rien changé. Allez, c'est pas grave, on va faire autre chose.